Donc en fait ici comme vous voyez c'est un campement type templier. Donc en fait on fait de la reconstitution historique pour les templiers. Donc de ce côté-là vous avez une partie des tentes où on loge. Là-bas de l'autre côté du campement aussi vous avez quelques tentes où on loge. Donc c'est là qu'on fait tous les repas tous ensemble. D'accord. Donc on est à peu près une trentaine ici sur place. Donc ici devant vous voyez un métier à tisser aux cartes. Ça fait maintenant 6-7 ans quand même. Mais... une confrérie qui organise la chose ou c'est... On va voir si on a fait un... Tu veux un petit peu d'haricots comme ça ? Moi je le mets sur les feuilles, je le mets comme ça jusqu'à ce qu'il devienne noir. Sinon tu le mets dans l'eau. Alors j'ai fait 6 degrés pour les dents. La bille, voilà, c'est bien, sur le support. Je vous en donne une. Elle est bien, ouais. Oui, oui. I think it's wonderful. It brings us into another world, back to history. It's really well made, so you can really put yourself into that history very easily. There are many different attractions for everyone, families, old people, children. You can do art, you can learn music, you can see fights, you can eat food, you can by many objects. It's really nice and I would recommend it to anyone wishing to learn more about medieval age. Donc nous sommes une fédération de différentes troupes ou de combattants indépendants, une fédération belge francophone d'escrime qui réunit aujourd'hui une dizaine de combattants. Au total, on est peut-être une trentaine à se retrouver sous la bannière de cette fédération. On se retrouve plusieurs fois par an, c'est la cinquième fois cette année-ci. On fait un classement en général, etc. Mais le vrai plaisir, c'est de se retrouver dans des costumes d'époque. Avec une armure, reproduisant une armure d'époque, des armes du même poids et du même équilibre que ceux du 14e et 15e siècle. Eh bien, je t'ai comme tantôt, là, dans le coin, après derrière les voitures.